Bonsoir à tous. Salut. Et bienvenue dans cette nouvelle review. Avec les petites cornes. Ce soir, review, première review de la chaîne pour Vape Institut. On fait un gros bisou à Yannick, c'est Yuzen, le sorcier. Et on s'intéresse bien évidemment à sa nouvelle tuerie, la sauce K. Cette petite sauce, pour la tester ce soir, on a sorti trois setups qui diffèrent assez. On va avoir en premier le petit kit luxe nano de chez Vaporesso, Norage, de mon sponsorage. Donc on a dit dessus atomiseur SKRR, toujours pas de review matos. Ensuite, la petite Dotskonk Mecha, pouf, qui est ressortie, équipée d'un coil de chez Vape Institut, l'Extra Small V2. Magnifique. Une beauté. On va se même... Je le fais jamais d'habitude. Oh, j'ai pas encore mis le coton. Ça va tout péter. Regardez-moi cette petite gueule. Pas un point chaud. C'est beau à crever. Donc pendant que je vais laisser mon meilleur pote Antoine vous annoncer la suite du programme et son setup notamment, je me montre le petit coton sur la box. Alors salut à tous. Salut à tous les amis. Coucou. Surtout à la farce qui veut. Coucou. Alors ici, Miss Jirachi. Donc, Miss Jirachier, que nous avons croisé à la Clermont Geek Convention il n'y a pas si longtemps. Norage. Eh ben elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle est pas fameuse. Et aussi également Julien Méniel. Et on a préféré aller voir Farod. Ouais. Non, Julien Méniel de la chaîne Dans ton corps, un sacré bon gars qui a signé, du coup, l'intérieur de ma porte de boxe. Et comme c'est un mec qui a de l'humour, pour Q, porte-toi bien. Parce que c'est une porte, lol. On a... Attends, je vais chercher... Tiens-moi ça. Et montre-leur... Non, ouais, on va se faire chier. Sans les mains. Oui, parce que les vidéos sont toujours montées à la ZOB. On est quand même chez Q Vape Review. On peut pas mettre de binard. Elle est où, là? Meub, Tiriman, danse du ventre. Dans du ventre. La première édition du Tiriton. Le Tiriton, c'est vrai, on en a pas parlé, c'est la première édition du Tiriton. Décris-leur ce que c'est que le Tiriton. Alors le Tiriton, qu'est-ce que c'est? Le Tiriton, c'est avant tout le lundi soir. C'est le bon goût, c'est le goût des choses simples, le terroir avant tout, la charcuterie, le petit vin, la bonne vape. On va leur montrer. Et les meilleurs bros, les meilleurs bros avant tout. Donc là, vous le voyez pas, mais il s'agit de partout. Parce que c'est le Tiriton, c'est le Tiriton. Voilà, alors placement. Joël Robuchon. Voilà. Le petit comté extra. Le comté extra, 4 mois d'affinage, c'est important. Le saucisson, la base. Le pavé au poivre. Et le kit alsacien. Nous n'en parlons pas assez. Parce qu'on sait faire mâcher les petits producteurs de nos régions. On va faire la sponso charcuterie. Bientôt sur vos écrans, la review charcutaille. Donc on a attaqué dans les cornes avec de la Westmail triple parce qu'on n'avait pas trouvé de carmélite. Attends, merde, chut, pas de marque. Pas de... Non. Donc Thierry, explique-leur ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Donc comme Quentin vous en a parlé... C'est ma petite gueule. Merci. Donc on va s'intéresser à la sauce K produite par Vape Institut. Vape Institut, ouais, c'est français. Vape Institut, non mais ça va, on est à l'américaine. Non, c'est des français. Donc la sauce K de Vape Institut avec le petit pack. Petit mais magnifique. Petit mais costaud. Mais pas des moindres. Donc, un petit costaud, pack généreux. Avec plusieurs fits. On va se l'ouvrir ensemble. On l'a pas ouvert, hein. C'est pas vrai, il manque pas à peu près 800 000 millions de millilitres de la fiole, non, c'est faux. C'est évaporé. C'est faux. Non, c'est parce que c'était très bon, donc je l'ai dégommé dans la semaine. Non, voilà. Vaporé. Vaporé, ça. Donc, premier produit, premier goodie, le kill vap, pour nettoyer la sauce. Après, le petit extra small V2 de chez JTR, j'en profite. Pour faire un énorme coucou à Mickaël Bonté, mon meilleur ami depuis le CP. Pas du tout, mais on s'entend très bien. C'est un mec super. Super matos. Je vous invite à aller mater ses lives, où il travaille comme un porc pour nous sortir des coils de la meilleure des qualités. Je pense honnêtement n'avoir jamais monté
un coil aussi badass que celui-là sur du matos. Donc c'était minimum Dotskonk Mecha pour tester un petit Strasmol V2. Après, qu'est-ce qu'on a dans ce petit kit, mon cher Antoine? Mais ma foi. Mais Maïté, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'on a? Je le prends. Et je lui suce le derrière. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est tout simple. C'est tout simple, mon cher Thierry. Alors. Ah, bien vu ça, attends. Avant tout, on va poser ça parce que Starfoula. Et moi, je vais pouvoir monter mon coton tranquille. C'est vrai, monte. Bah, présente-leur le premier. Alors voilà, commençons par là. Avant toute chose, le coton Fiber and Cotton. Donc, produit français, la piraterie n'est jamais finie. Un excellent. Thierry Mande ? Oui. Il est où le coton ? Il est là parmi tant. Paranoïa ! Attends, j'arrive ! Oh non ! Ah ouais, puis c'est un des derniers bouts. Bah sinon, on peut utiliser le coton de Mika. Attends, te fais pas chier, j'en ai. Tu l'as ? C'est bon. Je l'ai trouvé. Yes, bien vu ça. Alors, ce petit coton que j'ai déjà pu tester plusieurs fois. Tac tac, une petite fibre. Pour ça qu'on les garde. Bien sympathique. On va s'en équiper un petit bout, donc il va me falloir tac un petit coup de ciseau. Ça me fait énormément plaisir de faire une review pour Vape Institute. Je vous le dis. J'ai pas croisé Yannick beaucoup de fois, mais à chaque fois qu'on se croisait sur les salons, la première fois qu'il m'a croisé, sans mentir, je devais être à une cinquantaine d'abonnés. C'était à la première Vape Expo Paris, à l'époque où je travaillais. Quel indien. Adieu la Dotskonk. Tout va bien, c'est le talent ça. Oh la vache. T'as serré les fesses là, hein. Je vais aller m'essuyer le cul. Je vais aller pleurer un petit peu. Ouais, je disais, bah Yannick, à chaque fois qu'on se croisait sur un salon, que ce soit à Paris, à Lille, j'étais toujours aussi bien reçu. C'est un mec sympa qui crée des jus géniaux avec le plaisir d'innover en permanence. Vous avez déjà vu des kits avec des petits goodies, un jus spécial rentré dans le truc? Non. Non, messieurs, dames. Je suis quasiment sûr que non. Donc là, hop là, petite install de coton. Mais d'ailleurs, Thierry, les goodies, mais parlons-en. Car oui. C'est la review organisée. Vraiment. Après, le coton. Très bon coton. Tac. Le pack contient. Ouais, très bon coton. Aussi, très bon coton. Pour l'avoir donc testé. Le kill vape, hein, Lave-sauce. Le lave-sauce. Alors, on a essayé, hein, c'était pas de l'Eisenberg. On a vu après que c'était précisé ne pas vapoter. C'est bleu comme l'Eisenberg. Ça vous dirait. Ça a la couleur de l'Eisenberg, ça a l'odeur de l'Eisenberg, mais c'était pas de l'Eisenberg. Non. On s'est sacrifié finalement. On a perdu 10 ans d'espérance. 10 ans d'espérance de vie pour la science. Putain, il est magnifique ce coil. J'ai un bleu là, je sais pas si ça va rendre à la cam, mais ça a une gueule, mes petits amis. Donc, imbibition de la sauce. Donc oui, je vous ai pas dit, mais dans le kit luxe, à la base, c'est de la sauce. Tu l'as pas encore goûté, toi, du coup? Eh bien non. Tu vas l'arriver. Eh oui. Sauce pas dessus. La fameuse. Donc, comme dirait ce fameux Yannick, la piraterie n'est jamais finie. Ce soir, c'est pas pirate, c'est viking. Mais c'est un peu le même bail. Qu'est-ce que t'en penses? Oh putain, c'est beau. C'est pas dégueulasse. Aïe! Ça sent énormément la cacahuète. Pour une bonne cacahuète, ouais. Mais je pense que ça va plus ressortir sur la Dotskonk quand même. Bah ouais. Là, on est sur donc Atto SKRR avec une résistance en 0,15. Ouais. C'est du Vaporesso, c'était un kit que j'avais pas encore sorti. Tac. Qui est là. Un excellent petit kit de débutant. 3000 mAh de mémoire, vraiment pas dégueu. Joli, petit, joli. C'est bon, hein, là. On est sur quoi, là? C'est plus de la Westmail, du coup, on l'a fini, la Westmail. C'est de la... J'ai l'impression que ces cornes, là, elles... Maretsu, triple. Pas d'alcool, hein, c'est pas bien. Chut, pas de marque. Arrêtez. Donc oui, la Sauska, très bonne cacahuète. Hein. Très bonne cacahuète, très, donc bonne, sur le papier... Un très bon goût de cacahuète, pas que. Sur le papier, alors la Sauska, c'est une cacahuète, certes. La plus éclatée des cacahuètes, sauce crème de lait, vanille et marshmallow fondant. Ouais, si, c'est bon, hein, c'est bon. Et je pense c'est qu'on va bon. Plus savoir les détails sur ce petit setup. On va finalement décomposer Fire un bouquet de saveurs. C'est le tiriton, hein. C'est le tiriton.
On rote, on pète, on lâche des ruines. C'est dans quoi ça? On rote, on pète, on lâche des ruines. Putain, j'ai vu. C'est obscur. C'est pas Shrek, j'ai vu. Peut-être. Ouah putain. Ils sont péchus les coils, Mika. Donc là, on est sur un VTC 5A, pleine charge, et le coil de Mika. Ah oui, rien qu'au bruit déjà. Donc c'est Viking, on va évaporer un peu de sauce pour les dieux, hein? Tu es d'accord? Odin. On sacrifie au dieu Odin. Et d'ailleurs, American Gods, meilleure série au monde. Vraiment. La saison 2 arrive. Matez cette série. Si vous êtes en manque de série American, putain de Gods. Excellent. Donc un peu de sauce pour les dieux, le Valhalla. Je pense que c'est assez visuel. C'est... Comment ça envoie le steak? Attends. Mec. On m'en avait parlé des codes JTR déjà. J'avais entendu la légende. Et bah putain, ça rase. Allô. Bonsoir. Tiens, tac. Hey, fais tâter et tout. Comment c'est bon ça? Donc du coup, ouais, on a dit dans ce petit package, on a 4 petits stickers aussi. La sauce K et un de décaps. Putain. Mec, on aurait dû utiliser ça pour vraiment, les décaps. Vraiment. Le petit décap. Bam. Le décap magnet. Qu'Antoine sur tous vos frigos. Emportera. Oui, exact, parce que c'est un magnet. Et il a découvert ça aujourd'hui. Alors ça, c'est la nouvelle mode dans les vapes. Tout le monde sort son magnet. J'en ai un Dark Vapor, j'en ai un... Oh tiens, je fais un coucou à Jessica de chez Vaporesso. Ça me fait toujours autant plaisir de profiter de leur matos. C'est bon, ça. Donc n'hésitez pas, régalez-nous. Norage du démarchage. Norage de mon sponsorage. Putain, c'est excellent. Là-dessus, tu sens que le coil envoie sévère. Ça envoie seulement du bois. Envoie sévère. Ça limite rase. Un peu trop, tu sais, j'aurais dû le mettre à... Bah ouais, après ça... À 4, pas 4, 2. Mais ouais. C'est bon, putain, c'est bon. Moi, j'aime bien ça. Et en effet, maintenant qu'on est dessus... Le rendu de saveur est terrible. Enfin, c'est... Tiens, vraiment beaucoup plus de goût. Remets-nous de la... Chut, pas de marque. C'est pas de la... Non, c'est de l'eau, hein. C'est l'eau qui pisse. C'est avant tout des graines avec de l'eau dedans. Oui, qu'on a laissé très longtemps dans un tonneau. C'est comme un petit-déj. Vous prenez le petit-déj, vous enlevez le lait, vous faites fermenter. Voilà. Ah oui, tant que j'y pense. On va faire un gros coucou à un groupe Facebook. HomeVap. Merci aux admins, merci à Sandra, merci à Sonia qui m'ont accueilli. Le petit groupe est bien sympa, beaucoup de primo-accédants à conseiller. C'est la régalade. On n'a même pas trinqué, mec. On trinque à la... C'est vrai qu'on pourrait trinquer, ça non, mais pourquoi ils trinquaient? Pourquoi ils trinquaient, les Vikings? Pour vérifier qu'il n'y avait pas de poison. Bon, mec. Alors... le plan le plus pété de l'histoire. Faut mélanger les fluides, t'es prêt? 1, 2, 3. Métal! Métal! Ah! Oh non, faut nettoyer! Et on est chez toi, hein, wesh! Norage, Norage, je suis pas chez moi! Aïe! Aide-moi! Au secours! Allez, au secours! Ouais, bon, on nettoiera tout à l'heure avec sa mère. Hein. Ouais. Bon, les petits poulets, on a fait un coucou au groupe HomeVap. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés. Vous êtes ici les bienvenus. N'hésitez pas à partager la chier cette putain de sauce. C'est une innovation. Et puis abonnez-vous à Q quand même, les gars. Il est corpo. Il a été bien formé. La Q Vape Review. S'il vous plaît. Bah c'est gentil, c'est gentil. La cloche, le pouce bleu, pouce bleu. Et puis là, voilà, sans vous spoil, je pense qu'on aura une petite review liée à ça. Pour tester un petit lait qu'on laissera bien s'aérer sur les consignes de Monsieur Bonté. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Une review, voilà, là je le susurre pas. J'ai 3 jus de chez Ladybug qui sont en steep, plus 5 qui m'ont été envoyés il y a 2 ans et que j'ai vapé comme un énorme chien de casse sans faire de review. Donc, on peut aussi vous parler du kiki tout dur. Qu'est-ce que c'est que le kiki tout dur, Antoine? Bah moi je connais, mais... C'est pas les mêmes, ça fait du jus à base aussi, de grosses tranches de queue. Ça se va pas et donc tout. Donc non, le kiki tout dur, c'est du Ladybug. Ladybug qui nous a fait un petit ascenseur émotionnel en vidéo sur sa chaîne en nous disant « Oui, après 4 ans de passion à monter des jus mortels, ce qui est putain de vrai, ce qui est putain de vrai, j'arrête la vape, adieu. »
Et finalement, il annonce un nouveau Jules Kikitou Dur. Donc autant vous dire que niveau terroir, des Kikitou Dur, on est dedans. J'ai envie de dire, est-ce que ça te met pas le Kikitou Dur, voilà, cette dit, sortie de jus. On dit jamais non, une bonne tranche de queue, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ouais, bon, finalement, le délire MST, changer les top caps. Ouais. Ouais, parce que de base, on s'était dit, ouais, on fait une review propre, on met les deux cloches différentes, finalement, bas les couilles. Et puis, bon, voilà, qu'est-ce qu'il va rester à vous dire? On vous souhaite à tous une putain de vape, et on se fait la sortie à la vape extrême. Très bonne vape. Tu vois ce que ça donne ou pas? Donc, vape extrême, qui a financé ce micro? Merci Ludo. Et merci Jimmy aussi. Donc, du coup... Introduis-moi, finalement. Bah, après c'est, le Kikitou Dur. C'est un ending, en fait. Introduis-moi. Donc, tu tires ta race sur ta vape et tu souffles sur l'écran. Ouais, c'est un peu ce que je me c'est représentais. C'est un viol de PC, t'es prêt?